Dans cette vidéo, on va tester la lampe la plus puissante du monde de la marque Imalan. Voici la valise de cette lampe. Et comme vous l'avez remarqué, ben, il fait nuit, c'est fait exprès. C'est vraiment pour tester le produit. À ce qui paraît, il est puissant. Je vais vous donner tout ça en détail dans cette vidéo. 3, 2, 1, on va voir le petit monstre qu'il est là. Wouh ! Bon, là, il y a sa petite sangle. On verra ça juste après. Wouah ! Le truc, c'est une matraque. Il fait son poids. Franchement, je ne sais pas combien de kilos il fait. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait 100 000 lumens. C'est écrit dans la boîte. 100 000 lumens. Avec ça, on peut éclairer un stade. C'est pas vrai? On va peut-être même deux. Deux stades. Deux stades. On va voir si c'est vrai. Mais franchement, moi, je suis étonné. On est là pour tester. On est là pour voir si la marque dit vrai. Et on va s'amuser avec la lampe, juste à éclairer cette grotte qui est là-bas. Je ne sais pas si tu arrives à la voir. C'est noir dedans. C'est très, très noir. On voit rien du tout. Mais on doit faire une comparaison. Eh oui, je vais faire une comparaison. J'ai amené avec moi ma lampe la plus puissante du monde. Voilà, t'as ton téléphone. On va pouvoir comparer aussi. Regardez, normalement celle-là, elle éclaire bien, déjà. Normalement, tu me vois là. Normalement, elle éclaire bien. Normalement, si je vais là-bas, vas-y, tu vois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal? Ok. Maintenant, on va tester cette lampe. C'est la vérité. Les amis, c'est très 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 puissant. Et d'ailleurs, il fait jour. Alors c'est tellement puissant que il a fallu 3 secondes pour que l'appareil fasse à la mise au point. Bon, on va l'éteindre. Oh, messieurs, pardon. Alors là, vous entendez quelque chose, les amis. Et je vais vous expliquer pourquoi après. C'était mon sac. Bon les amis, là on va rentrer dans une grotte. Logiquement, en fait, elle fait très très peur cette grotte. Là, on va essayer de rentrer juste avec cette petite lampe qu'il a. Adri, il a la lampe, en fait, il est en train de me filmer avec. Comme la petite. Et regardez, s'il passe par là, ici c'est noir. Vous voyez? Ok. D'accord. Maintenant, si tu éteins, bah, c'est noir, voilà. Et on va essayer d'éclairer avec la magie. Ouf! Oh, ça crame! C'est un truc de fou. Donc là, c'est la petite lampe. Là, c'est la petite lampe et là, c'est la grosse lampe. Waouh, incroyable. Et si tu éteins là, on revient sur la petite lampe. C'est incroyable. Bonjour. Putain, on dirait que je suis dans Stranger Things. Stranger Things, c'est ça? Pas du tout. Stranger Things. Ah. C'est pas l'américain. Ouais, d'accord. Waouh. T'arrives à voir là-bas? Là-bas, on arrive un petit peu à voir. On arrive un peu à voir. C'est très ciblé. D'accord. Bon, comme vous le remarquez ici, les amis, cette lampe, je ne sais pas si tu arrives à choper, cette lampe-là, en fait, elle coûte 600 euros. D'accord. Ben, je vous mets le lien dans la description. C'est Imalan qui fait ça. Là, pour l'instant, en l'intérieur, dans le noir total, il fait son travail. C'est vrai que c'est la lampe la plus puissante du monde. Parce que même la caméra, il ne le capte même pas. C'est dès qu'on envoie la grosse lumière, il galère à la caméra. Mais en fait, il éclaire comme il fait jour. Là-bas, avec la petite lampe, comme vous le voyez, c'est très ciblé. On voit qu'il y a encore un tunnel. Vous inquiétez pas, c'est juste la grotte du diable ici. Il n'y a pas de... Voilà. Et quand tu rentres, il te dit... Chut, Satan fait dodo. Satan, est-ce que t'es là? Non, juste pour savoir, parce que je le réveille quand même. C'est pour dire qu'il bientôt il fait jour dans ta grotte. Non, je vais pas le réveiller. Oh, c'est bon ami, t'inquiète. On va aller allumer ça. 1, 2, 3. Ouf. Tu as disparu tellement, c'est... J'ai obligé de t'éclairer parce que c'est tellement éclairé. Oh, c'est incroyable. Viens, on avance. Wouah. Mais t'as même plus peur. T'as même plus... T'as pas peur, en fait, là. Wouah. T'as mis d'avance. T'avances sans avoir peur parce qu'il y a la lumière, en fait. Wouah, c'est incroyable. Bon, pour le coup, je pense que c'est moins impressionnant à la caméra parce que vraiment, en vrai, c'est... Ah ouais? Et là, si je me souviens, il y avait un trou ici. Merde, j'ai plus de batterie. Là-haut, il y a un trou. Je sais pas si tu vois que ta lampe. Et tu te rappelles où c'était? Ouais, l'accès d'en haut, c'est là où il y a le petit trou. Le petit trou. Alors là, je suis monté en haut. Voilà. Donc il est là. Je suis là. Allez, on va tester la lumière de l'extérieur comme ça. Wouh! C'était impressionnant? Ah, voilà. C'était beau? Je suis pas Dr. Nosman, je suis pas le JD, je suis qu'un boucan qui sait même pas marcher. Ouh! Bon les amis, je dois juste vous dire un truc,
c'est que cette lampe, elle peut éclairer jusqu'à plus de 1,5 km. On va tester ça. Et comme j'ai pas assez de batterie, on va tester ça. Parce que niveau de l'autonomie, entre 4h et 7h, c'est vraiment moins. Voilà, je pense qu'il faut pas abuser sur la pleine puissance. En sachant qu'il a 100 mm, mais on va tester ça. Là, tu as la petite lampe, c'est ça? Elle éclaire jusqu'à où? Alors, bah, à la caméra, là, on est à quoi? 7-8 mètres. Ok. Derrière, on est à peut-être quoi là-bas jusqu'à... Ah, ouais. 30 mètres. Allez, 30 mètres. Et au-dessus, on voit plus. Je vois plus rien. Alors, on peut voir en vrai, à l'œil. Ouais. À la caméra, on voit pas. À l'œil, on voit un petit peu le faisceau, mais... Pas vraiment, voilà. On va tester. Ah, attends, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Tu le vois? Ouais. Bah, c'est pas grave, on va le faire peur. 3, 2, 1... Wouh! Mais c'est vrai! Oh, tu vois la montagne? Mieux qu'avec moi, oh là là! Je crois que je l'ai fait peur, le mec! Lui qui est en vélo là-bas, je crois que je l'ai fait peur! Wow, c'est incroyable! Tu ça, peux. Ça marche mieux que ça! Ça marche. Ouais. C'est incroyable, les amis, franchement. Je fais le test avec vous, comme ça vous voyez un peu si c'est vraiment ces machines, ils marchent vraiment, parce qu'on le voit souvent sur Wish, on va dire sur les pubs Instagram et tout ça et tout. Mais après, si vous voulez vraiment que ça marche, achetez vraiment la marque, hein, c'est Himalan. Et véridiquement, attends, c'est incroyable, si je vise le ciel. Wow. Non. Au Batman. Batman, quoi. Wow, j'ai mal aux yeux. Ah putain, alors ne jamais... Je l'ai mis dans mes yeux, ça fait exprès. Je vois plus rien, attends. Bon, en fait, alors ce genre de truc, c'est faut faire super attention les amis. Faites pas comme moi, j'ai fait ça comme un con. Faut jamais regarder droit dans les yeux. Jamais, jamais, jamais. C'est dangereux, on peut devenir aveugle. Mais quand tu vois ça, c'est... Comme vers la montagne. Là-bas? Ouais. C'est incroyable. Putain, mais il n'y a plus de batterie. Hein. C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. C'est incroyable, il n'y a presque plus de batterie les amis. Je ponce sur le truc et c'est incroyable. Même la faible luminosité, comme vous le voyez, je sais pas, c'est, on voit quand même. Hein. Ah oui. Ça c'est la faible luminosité, on voit, c'est hallucinant. Contrairement à ma petite lampe. Ouais, contrairement à ta petite lampe, hop, c'est hallucinant. Bon les amis, vous voyez la cabane qui est dedans là-bas? Ben, j'ai envie de rentrer dedans. Et d'éclairer en pleine puissance, ça va pas durer longtemps. Mais voir si ça fait genre, tu vois le genre de faisceau là, faisceau de lumière comme dans les films d'horreur. On va voir ça. Wouh. Si tu vois quelque chose, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Du coup, j'ai envie de voir là, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça fait parce que j'étais à l'intérieur. Alors j'ai envoyé mon ami pour le faire. Et comme j'étais à l'intérieur, en fait, je voyais pas vraiment. Voilà, il vient de rentrer. Du coup, je coupe la lumière. Ouais, deux fois, ça va durer un peu de temps. Ouf. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, même pas, il arrive même pas, frère. Oh, je sais, on sait même pas qui tu es. Ah, pour les interrogatoires, ça? Hein? C'est les policiers. Oui, oui, oui. On matraque et acheter des lampes torches. C'est plus efficace. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Là, comme vous le voyez, je suis éclairé par la petite lampe. Vous avez vu la différence? Et là... C'est la grosse lampe. Voilà la différence, on la voit en fait. J'espère que cette vidéo ça vous a plu. J'espère que ce test ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, faites un petit commentaire, partagez si vous avez envie, abonne-toi et surtout n'oublie pas que la vie c'est une tombola. Allez, ciao! Moi je vais rejoindre les ovnis.